un canal, on voit. Je suis un commandant. Bon, mais dis-le, dis même sous béton. Pas la tête, non. Dis l'autre colonne, pas la tête, lui. Mais où les animaux, là. Nous besoin non, nous avons un ancien guerrier pour nous prendre non. Parce que classe de bonheur aujourd'hui. Mais si vous dites en avant là, vous papa. Aïe, canal qui a parlé là, on voit. On voit. Elle a mettre André Michel qui c'est porte-parole secteur démocratique là qui dans un tweet fait connaître secteur démocratique et populaire là condamné attaque armée qui fait contre Sorel Domingue responsable ferme la tortue qui dans Léogane c'est un zac intimidation politique qui est participé dans exécution menace Jovenel Moïse contre Yuri la tortue et c'est ça mettre André Michel fait qu'on est. Matrice Libération, saluer maturité peuple haïtien, yon l'autre fois encore, non, gros démonstration le fait, non, manifestation, dimanche 14 février 2021 passé, peuple a envoyé un message coupé, fâché à corruption, vol, dictatique, qui symbolisait 10 ans règne, sans pareil, régime PHTK, Martelly, Jovenel Moïse, non, message ça a droit, connaît, non, oreilles, néo, colon, racisio, nuréa, encore groupe, ambassadeur Sisson, représentant ONU, Madame Lalim, KPCI Kimbe, apprenti dictateur Jovenel Moïse, malgré Mandal Bout depuis 7 février 2021, d'après Matrice Libération, devant la presse locale, à la presse internationale, population dit à toute force, c'est un projet dictatif en Droué Kaba. Matrice Libération mettez voile à toute patriote pour demander libération, tout prisonnier politique et pouvoir. PHTK mettait en prison jour quitté 7 février 2021 après vieux film tête shot Jovenel après dit monter pour détourner l'esprit population qui constatait d'après article 134-2 mandal fini c'est bien compté mal calculé si président de facto a pensé sénat persécution intimidation emprisonnement les capables quimber pouvoir illégalement. Yon l'autre côté, c'est à campier l'indignation. Matrice Libération a pas constaté, président de facto, sorti pour tout griffli, n'a fait répression sans garde derrière sous dirigeants politiques, sous militants, même sous travail à la presse, dans l'exercice travail. Dans mon espace, yon semaine, régime n'a assassiné pour petit deux militants, bat journaliste, blessé journaliste, arrêté plusieurs militants. Politique, premier monde régime n'a touillé, d'après Matrice Libération, c'est Trilis Romario, après force répressive dans la police là, t'a battu jusqu'à ce que Fieli pété sous cabane d'hôpital. Une autre citoyen joint la molle après débarquement la police nan, fait dans Delma 60 nan pété couri pour gaz lacrymogène la police Ronald Dufresne qui s'est chauffeur moto atterri dans bloc Delma 66 en face Delma 95 base gang PHTK balle 4 balles et puis boulet cadavre fait barbecue Matrice Libération voyez c'est parti avec famille victime yo et puis réclamer justice pour deux citoyen Silayo Matrice Libération pendant la passe à lui accord majorité et force politique action civile là joine nan nomination juge Joseph Mécène Jean-Louis comme président paysan pour encourager population en Kimbe flan.
bon mobilisation pour dégager Jovenel Moïse au pouvoir, commencer tout bon en monter un gouvernement transition qu'on peut fâcher avec un agenda clé pour faire jugement à tout un massacre régime n'a fait dans quartier populaire, mettre base pour réformer l'État et puis activer des marches pour projet pétro, pour procès pétro-caribé à fait réaliser bon genre élection pour mener sous chemin projet libération totale peuple haïtien. C'est un bureau communication matrice libération qui a même fait sortir note à Sila Banon Paléac Mackenson Kangé qui dit ses porte-parole Alliance démocratique contre la transition en Haïti qui a même gagné une position par rapport à cette situation pays. Mackenson Kangé, bonjour. Bonjour Gabriel et bonjour Bob C, bonjour Pierre-Renard René. N'a pas de toute auditeur, auditrice et Radio Caïn, Capoté Grand Boulevard. Présentez-nous non, Alliance démocratique contre transition, ça lié. Effectivement, Alliance démocratique contre la transition, c'est une structure qui montée, qui réunit un ensemble de partis politiques avec un ensemble d'organisations sociaux qui ont même bien position par rapport à la crise qu'a traversé le pays. Et crise qu'a traversé le pays. Nous avons deux partis politiques avec l'organisation qui la donne. Nous avons Alliance citoyenne pour l'alternance démocratique en Haïti. Nous avons un mouvement femme maïsade. Nous avons Alternative des étudiants pour une société éduquée. Nous avons Action communautaire pour l'émancipation de la jeunesse. Nous avons regroupement des organisations de base pour l'avancement du roi Jérémy. Nous avons mouvement citoyen contre l'exclusion sociale. Nous avons Fédération nationale des organisations communautaires. Nous avons Forum des militants pour une société organisée. Nous avons regroupement national des organisations communautaires de base. Nous avons Alternative des étudiants insurgés. Et puis nous avons Alliance citoyenne pour une société équilibrée. Mmh. Et pour, nous ouvrons toujours avec d'autres organisations et d'autres partis politiques qui sont intégrés et qui croient dans et qui ont le même objectif. Qui est ce parti politique? Qui est ce parti politique qui est l'Alliance démocratique contre la transition? Alliance démocratique, là, nous avons environ trois partis politiques qui sont Alliance citoyenne pour l'alternance démocratique en Haïti. Et puis nous avons Alliance citoyenne pour une société équilibrée. Donc sur ça, on va parler nous là, c'est une structure qui poche pouvoir. Non, ce n'est pas une question de structure qui poche pouvoir. Mais cependant, nous-mêmes, et en tant que citoyens qui a réfléchi, en tant que monde qui a fait politique en payant, nous demandons à qui démocratique respecter. Mais nous parlons de acquis démocratique, nous voyons la constitution 87 amendée à. Côté que une équipe citoyen qui a interprété au pays de l'article et que la constitution n'a pas le droit à ça. D'ailleurs, tout le monde connaît, la constitution dit clairement dans l'article 190 et la constitution dit, mais qui est-ce qui doit interpréter la loi? Les loi a pas posé problème en nos sociétés. On va parler de la constitution là. Allô? On va parler de la constitution là dans l'article ça. Constitution 87 amendée à. Donc, qui est l'institution qui les bat pour ça? C'est ça, c'est là. Article 90, constitution amendée, il dit clairement, c'est le Conseil constitutionnel qui a le droit d'interpréter la loi. Mais ça, c'est égaré. Il dit que le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'assurer la constitutionnalité des lois. Il est jugé de la constitutionnalité des lois, des règlements et des actes administratifs du pouvoir exécutif. Ces décisions se sont susceptibles d'aucun recours. Maintenant, moi-même, qui ça, nous-mêmes, en dans ce que ça nous dit que le fait que Pagé sa religion conseil constitutionnel en payant et que tout le monde a fait brigandage ne pas axer sur la constitution et le constitution de cette amende à pour que l'on ait doté paysans et de l'on voit. C'est la responsabilité pour vous mettre le campé. La loi dit que, mais comment le conseil constitutionnel a doté campé? Il dit que c'est trois membres au niveau exécutif, hein? Trois membres au niveau assemblée nationale là, et puis trois membres au niveau de CSPJ. Mais le fait que ça n'a pas été fait, maintenant, nous comprenons une bagarre, nous pensons qu'il est clair, et nous connaissons, nous disons que, faut
constitution respectée et n'a prôné tout ça où il y a un dialogue inclusif entre les Haïtiens pour que nous sortions de sa vie. Mes amis, nous pensons que ni l'un ni temps pour nous suspendre quitter la politique primée sur le même et sur le droit, pour nous suspendre quitter la politique primée et sur et la légalité. Maintenant, on garde pour nous ensemble pour sauver le pays. Et nous pensons que la place qu'on appelle va être toute cette de la vie nationale là, quitte l'église catholique, quitte l'église protestante, quitte le monde qui dit qu'on a opposition, quitte le pouvoir en place là. Je veux là, nous pas qu'à nous séduire, nous pas qu'à nous caser. Et encore, c'est une chute à parler, c'est une tête ensemble. Nous, un dialogue inclusif qui peut permettre de payer en société dans sa vie. Donc, vous pensez que c'est dans l'objet de ça, c'est dans l'idée de ça, et Alliance démocratique contre la transition, lui former, non seulement nous pas d'accord transition, parce que transition pas existé, pièce côté dans la constitution. Et nous disons, comme vous citez à parler si vous le faites, premièrement pour l'élection capable de faire pendant 20 ans, et puis deuxièmement, pour que en 2022, nous sommes capables de remplacer tout personnel politique et puis pour nous dossier pays en de stabilité politique. D'accord. Merci à Pile Mackenson, quand j'ai nos papas qui m'ont trop, puisque nous avons fait place à Alexander Galvez, Pierre Renel. Merci à Pile. Et si vous écoutez, depuis l'aéroport Las Américas, dans Santo Domingo, en République Dominicaine, il fait 6h38 minutes en Haïti. Alexander Galvez, bonjour. Nous avons rentré d'emblée dans l'actualité en République Dominicaine, Dominicain, qui a suivi de près la situation ancien magistrat Port-au-Prince qui n'a même autorité pays ça depuis 5 jours. Yon dernier nouvelle avec information ça, El Nacional. Mettez dehors, matin à côté, le fait référence. Ça qui ont traité Haïti, Tessien, à République Dominicaine sous question migration, question qui vient pour commerce, c'était en 1874. Exactement, il y a plusieurs juristes dominicains qui prennent le journal en main. Et bien, on a un juriste, un peu Pellegrin Castillo, ancien député, et bien, qui dit recevoir Haïtien Zao en asile en Dominicaine, et bien, a mis en danger les relations de pays. Ou bien tout José Miguel Castillo Pantaleon, et eh bien, qui tout fait de flamme venait avec à cause que Haïti a signé le 9 octobre 1914, l'article 33, et eh bien, côté deux pays ont signé encore, puis parce que aucun monde qui t'a mêlé et soupçonné mais d'État par Dominicani, un Dominique qui t'a couru qui t'a signé en Haïti, et on a signé la présidente Domingo, et inacceptable. Et selon José Miguel Castillo Pantaleon, et eh bien, il est favorable que l'État dominicain négocie avec un autre pays, et bien, soit dans le Caraïbes ou en Amérique latine, pour être capable de voyer 4 mouns à l'Algérie d'asile. Mais en République dominicaine, et bien, selon tout le juge, il a mis en danger la relation de l'État qui était signé à Kosa, je ne le nom, le 9 octobre 1974, et bien, l'article 33 qui, côté, a été juré pour aucun des deux pays pas recevoir, et bien, aucun monde qui t'a mêlé dans l'affaire de l'État. Et il a même mentionné l'affaire de Sylvain Sanave. Nous connaissons Sylvain Sanave, côté général, l'entrée Nobel j'ai arrêté le 9 février 1919. Et c'est une honte pour lui-même remettre lui. Il y a de faire Sanave aller dans l'autre pays. Mais il y a fait une grosse erreur de te remettre sa sagesse Sanave qui était mort 15 jours après. Sous champ de masse là, et au Téfigil et sous place publique. On a une question d'actualité en République Dominicaine, mais surtout sous l'île Lac Fermanville, Mando. Qui ça a passé sous l'île comme ça? Et Alexander Galvez, tout côté viré, c'est violence, Zach vandalisme, en pile violence, tout côté, surtout en République Dominicaine. Moun, y'a pas arrivé à identifier, rentrer dans l'église, dans la zone touristique là, sous Condéa, El Condé, époté, aller plusieurs. Qu'est-ce l'agent et Calix Poulosti? Exactement, et la police dominicaine avait mis de l'intérieur à chercher qu'on est. Forme de tout dans l'église et Las Mercedes, El Condé, c'est non, l'église non seulement historique, mais c'est là tout où un papa doit être baptisé, l'être timoun. Alors l'église ça est côté. Et femme d'où gain politou gain l'armée dominicaine qui la tourne là alors et, mais chance pa yo te gain en pharmacie côté voléa l'a rentré dans l'église à Ouelé mais l'a vérifié en demain
demain matin. Ils joignent que voler aller avec plusieurs caisses l'argent et ils ont été récoltés déjà pour l'église ça avec plusieurs calices en noyau, vous comprenez, et voler aller avec eux. Mais en forme de tout, dans le moment, violence en vient augmenter par exemple. Je dis à la ou gain 200 000 mounes, c'est un domaine qui pas travail et qu'on a non seulement qui était dans fief, mais qui a pire entreprise que vous avez fermé, soit par rapport à l'économie, soit patron yo malade, yo pas qu'à venir dans le bureau, yo, madame dans les mêmes malades, tout, et ça vient rendre compte qu'il y a un pile jeune. Je dis en Dominicani, bon, sous marche à mon téléphone, go figi. Non, mais on te fait l'endroit de bon, on pas pris la carrière avec lui. Mais ça, moi-même, j'ai famille, pas même qui joint casse à côté pour téléphone dans la main. Mais tout le fond de violence a augmenté en Dominicani, c'est suite à l'emploi, ça qui vient perdu par rapport au coronavirus. Là, côté mon 200 000 personnes traversent en Dominicani, et ça vient augmenter. Et encore, expédition la police qui a cherché mon ou a des chauffeurs qui ont mouru dans la machine. Au fait, hier, le syndicat transport Santiago, eh bien, relais l'État. Et pour que l'État, la police dominicaine vienne chercher qu'on est pour que ça chauffe machine ça y tire dans bus là alors que c'est travail t'as pas le travail mais tu es dans machine là et tout ben ça ou après des monde et bien qui au savoir par exemple on regarde matin là encore journal national montré au entrée capitale dominicaine là et bien ils ont cité et nous comparons avec cité de Dieu et cité soleil par exemple il y a beaucoup qui conditions on y va vivre ça veut dire que dans autobus ça c'est de novembre c'est premier côté l'orienté dans Dominicaine ou à joindre côté fait toll là côté payer machine bien sous la main gauche et la main droite des zones ça ces zones et pas rien et pour pas voir avec Haïti c'est même bagarre là voyez mon yo même gens ou après de l'eau sale mouche fatra timoun yo à tête ou même bagarre là et nous mandé tout monde les poils dans pendant tout font y garder parce que ba yo pas tellement rose tant que la presse dit là. Et à côté plaie et corruption violence et insécurité ça qui a ravagé République dominicaine gagné coronavirus là tout qui a fait parler de l'arrivée une nouvelle quantité vaccin 30 000 comme ça hier soir vient augmenter contentement hein mounio coronavirus là a tué puisque depuis maladie ça arrivait sur territoire dominicain plus passé 3 000 mounes déjà perdu la vie. Exactement, hier, la presse dominicaine relayée avec notre et santé publique là, bien que notre savoir là, parce que l'État dominicain devait découvrir, et Pierre René, il y a des cliniques privées, les mounes mourir, il n'y a pas dit l'État ça. Et suite à découvrir, il y aurait que je dis à la noix 3 050 mounes qui déjà mourent en Dominicani. Forme de tout, vaccin l'arrivé dimanche soir, et bien, le président a aussi voulu aller avec. Et ministère de la Santé publique là, avec toute autorité, il recevra l'avion avec l'hymne national, façon de délivrance, contentement. Mais tout, il y a 40% dans le peuple dominicain qui n'est pas voulu vacciner. Mais quand même, il y a une campagne que l'État dominicain a mené là, par rapport à la présidence, et campagne en radio, télévision. Il y a encore, j'ai mieux pu venir vacciner, parce que c'est une forme de tout, stress là, dans le moment, et qu'on a mangé pas de dominicain. Je dis à maman mourir, papa mourir, petit tout mourir, ou pas qu'à venir quoi pour enterrer. Et c'est stress ça, je dis à qu'à passer dans le peuple là. Mais malgré ça, l'État dominicain pas découragé, il est capable de faire pour, il est capable de vacciner le peuple dominicain. Par exemple, premier monde qui est vacciné, et m'a dit ça, bon, si au cas, nous avons un point, premier monde qui est vacciné en dominicain, c'est un colonel qui est le colonel Ramon Familia dans la force de la dominicaine, et c'est ministre là même, Pluta Coalia, qui est vacciné. En présence de tout le monde et nous avons personnel médical là et personnel médical. C'est deux personnes qui ont fini de vacciner dans tout le pays. Je dis là, depuis hier, le vaccin est arrivé à Santiago, arrivé à Bonao, ça veut dire qu'il a franchi déjà dans quatre provinces pour que vous soyez capable de temps pour franchir camper avec Corona qui hier fait 17 personnes encore. Et encore cadavre. Il n'y a pas aucune obligation pour étrangers qui peuvent venir en République dominicaine, soit pour le vacciner ou bien pour lui venir avec une preuve que il n'a pas gagné maladie. Non. Bon, sauf que dans n'importe là, il demande ça. N'importe là, oui, il demande ça. Alors, c'est là où on peut voyager. Mais je dis là, l'État dominicain a prétendu l'État haïtien. Pas oublier que l'État haïtien qui te dit, à partir du 9 février, qui était passé là, il y a exigé mon capoté dans la frontière, entre sortir en document. Mais ça, pas qu'on fait toujours. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, también, nous n'y a pas Santo Domingo, l'arrivée Jimani, Bissio descend, il y a arrivé passeport, mais il n'y a pas demandé au papier, est-ce qu'il y a un coronavirus là ou pas? Eh bien, après le fini, Alexandre Galvez, extension l'église protestante en République dominicaine, fait des bateaux selon ça nous les matières dans le journal. Oy, un pasteur de l'église évangélique qui était devant la justice suite à un constat qui montrait Jean membre l'église a évolué économiquement ça a attiré attention la justice et les yo invité pasteur pour venir dire qui côté l'église a joint toute richesse ça comment membre yo faire progresser comme ça pasteur a te répondre qui ça pasteur a dit bon Dieu bénis nous
Il dit, bonjour, ben non, alors c'est pasteur, c'est une femme, Rossi Guzman, et qui gagne l'église avec Shalom uni pour Christ en Dominicanie. Alors l'église a vraiment évolué, l'église d'Afrique dans toute colle, et bien son grand l'église, et puis la justice et gagne ça au les PEPCA. PEPCA, c'est un département de Miami, et bien l'aile a une évolution en fait, dans la province surtout, ils ont essayé de la construire, ils ont même rapproché pour mettre tout la pyramide. Provenance comme ça, et bien c'est dans le sens ça, même il a approché l'église, ça il a évolué tellement. Alors, là, il dit parce que nous invitons la justice pour nous tendre. Alors, quand on lance ça, est-ce que c'est bon Dieu qui est tellement béni, on vient tout million ça pour faire l'église comme ça? Et bien, il vient découvrir parce que ça, c'est madame, et bien, et chef sécurité Danilo Medina, et bien, c'est un chef sécurité qui est mêlé dans la corruption, et bien. L'État tout saisit l'église là. Quand l'État attend les Jésus venir pour mettre l'église là, parce que comme c'était l'église Shalom pour Inibou Christ, l'État tout saisit l'église là. Nous ne connaissons pas. Est-ce que les Jésus venir là pour mettre l'église là? Mais en attendant l'église là, dans l'État et pasteur tout lui-même, tout lui dans l'État pour répondre à la question, est-ce que c'est offrande peuple dominicain, côté des millions de personnes pour acheter, conditionner, machines, tout neuf, et bien l'église n'a pas posé cette l'agence. Dans ce sens-là, PEPCA, et bien, Kembe pasteur dans l'interrogation. Non, pral fini, et vraiment, ces derniers points. Pour nous ensemble, Alexander Galvez, question coronavirus là. Encore question dans la parole matin, c'est comment Haïtien a géré crise ça entre corona et immigration. Comment ça y est dans Panyol? Bon, comme ça dans Panyol, là c'est un appel qu'on a fait à l'ambassadeur haïtien dans Panyol, parce que je dis à voir après la mer dominicaine avec immigration qui passe pendant merde haïtien yo, là on a dans champ de canyo patata yo maï côté travail ou la mer même rentrer prendre moun yo dans sens ça entrepreneur yo et mandé l'état dominicain font ti camper parce que grand pile haïtien y a travail surtout dans zone Santiago dans zone Jarabacoa mais tout gagne un plaidoyer qu'a fait la chambre des députés dominicains et bien étrangers qui sont territoire tout a mérité et bien et vacciné par rapport à protection qui a cherché pour République dominicaine. Mais femme de tout, il y en a un qui fait la une dans ce moment, c'était femme enceinte qui pas continuer et rentrer en Dominicanie. Et bien, une femme qui est à pas la coucher, l'église est liberté, il pas recevoir l'hôpital là, et bien, l'église est frontière, il a arrêté le tout enceinte là, et bien, quelques heures après, il a venu accoucher. Et là, il y a une interrogation qui a fait pour femme enceinte, ça y et bien, un militaire dominicain, femme dans silence ou avant le gros, ou pas de arrêter parce qu'il rentre. Il vient accoucher et selon la droit humanitaire, il doit passer pour la accoucher. Là, nous demandons l'État ici encore une fois. Et moi, j'étais tout à l'heure, il y a près de 6 000 personnes qui fait dans Santiago. Ils ont été condamnés, ils ont abandonné. Et nous demandons l'État, bon, et garder plus de liberté. Et l'hôpital là qui n'a pas gagné là-dedans, les gens ont besoin. Surtout les femmes enceintes, ils n'ont pas encore pu accoucher. Là, Santo Domingo, c'est un pile par un pile. On a invité, au moins, on a invité ça pour que le pays soit capable de faire l'autre figure. Mais quand les femmes enceintes, ils continuent à prendre Santo Domingo bel et bien pour accoucher et avec un fil de difficulté. Après le tour, Pierre-René René, année 2020, là, c'était 30 000 femmes qui accouchaient Saint-Domingue. Si jusqu'à maintenant, il n'y a pas un bout de papier, n'a pas. Merci.